à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois j'ai commandé sur le site Boohoo des vêtements, comme vous avez vu sur le titre. Et je vais vous faire un petit haul, je vais vous présenter en tout 8 looks. C'est parti. J'arrête la vidéo parce que j'ai oublié de vous préciser que vous pouvez bénéficier de moins 10% avec mon code LOANAFE sur tout le site en plus des soldes. Donc vous pouvez retrouver tous les vêtements que j'ai présentés dans la vidéo en barre d'infos. Bon visionnage. Du coup j'ai tout mis sur la penderie pour que ce soit plus facile à vous montrer. Il faut savoir que mon style il change tout le temps, du coup là en ce moment c'est vraiment mon style du moment que je vais vous présenter. Je suis tout le temps souvent habillée en noir, mais là j'ai voulu prendre un petit peu plus de couleurs et tout. Il y aura des styles d'hiver et des styles d'été, du coup bah je vais vous montrer ça. La première chose que j'ai prise c'est une chemise comme ceci à carreaux. D'habitude j'aime pas du tout les motifs, beaucoup de motifs et tout, mais je me rappelle quand j'étais au lycée j'avais une chemise comme ça et que je portais tout le temps dès que je devais porter un truc par dessus quelque chose et tout. Ça je trouve ça vraiment pratique, ou même pour le porter en t-shirt avec des grosses bottes, enfin des longues bottes cuissardes et tout, je trouve ça hyper beau. Ou alors tout déboutonné et à mettre par dessus une tenue genre comme un gilet ou quoi genre. Du coup, ça je l'ai pris en taille 38 pour que ce soit un peu large. Du coup voilà, vous verrez tous les vêtements portés. Pour le premier article, j'aime beaucoup et je pense que ça c'est un truc que je vais garder longtemps, même si c'est un truc à motif parce que ça fait guise de gilet et j'aime beaucoup. Ensuite du coup le deuxième article que j'ai pris c'est un pantalon hyper large. J'adore les pantalons larges comme ça, noirs, larges comme ça, avec vous voyez des motifs, c'est des oiseaux peut-être ou des... Je crois que c'est des oiseaux, bref il y a des motifs voilà, en satin qui se resserrent avec des fermetures et là c'est pas un bouton mais c'est un petit clip comme ça genre. Il est pas élastique au niveau des hanches mais il taille bien au niveau des hanches et j'ai pris une taille 34. Par contre il faut que je le raccourcisse un petit peu parce qu'il est hyper long genre, ça se voit c'est pour les femmes hyper grandes et tout. Je le trouve super beau et ça pour porter avec tout, vous pouvez porter ça avec des baskets, un petit top, des débardeurs, même une chemise longue, ça va avec tout quoi. Je me suis dit que ça pourrait bien aller avec ce haut là, même s'il fait un petit peu plus sport que l'autre. Du coup voilà, c'est un petit haut comme ça. Il existe aussi en blanc, et en blanc il est hyper beau mais il est en rupture de stock. Donc il y a écrit official dessus. J'ai pris du 38 pour ce haut là parce qu'avant je prenais du 34 mais maintenant je prends du 38. Il est pas droit en bas, il est un peu recourbé comme ça. Ensuite j'ai pris une robe mais hyper belle. J'adore les robes qui sont comme ça, hyper fluides. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs sur le site mais je suis pas sûre. En tout cas c'est sûr qu'il doit y en avoir sur le site d'autres de ce style là et de d'autres couleurs, mais je sais pas si c'est exactement les mêmes. Ça pour l'été mais je trouve ça trop beau, genre je me vois trop porter ça à la plage. Le site elle était un peu plus jaune, là je trouve qu'elle ressort un petit peu plus verte, je trouve que ça fait quand même aussi beau. Ça j'ai pris une taille 34 et elle me va parfaitement, elle arrive au dessus du genou et voilà, elle est pas trop longue, moi j'aime pas trop quand c'est trop long et tout. Là pareil c'est parfaitement la bonne taille, genre ça va pas être trop grand et tout ici, bah elle est parfaite en fait. Donc ensuite j'ai pris plusieurs ensembles de jogging, du coup le premier il est rose comme ça avec un, donc le haut est vendu ensemble du coup c'est pas séparé, donc c'est ça qui est cool. Le haut je l'ai pris en taille S et le bas aussi je crois. Crop top avec un zip, du coup il y a une capuche qui va avec et ça je trouve ça trop cool. Je trouve ça tellement pratique d'avoir des ensembles comme ça quand tu sais pas comment t'habiller et tout, puis quand t'as le jogging qui va avec. Le jogging il est comme ça, élastique, bien comme il faut, et resserré à la fin, donc il a des poches ici et vous voyez il y a des petites écritures ici, mais voilà. Et le bas je l'ai pris aussi en taille S et super confortable, genre c'est trop bien d'être dans des trucs comme ça, j'adore. Ensuite le deuxième ensemble que j'ai pris aussi pareil, hyper beau, donc c'est un ensemble blanc avec le jogging donc que j'ai pris en taille M cette fois. Quand il n'y a pas de taille S, bah je prends une taille M. Blanc comme ça avec la petite écriture verte qu'il y a ici, je trouve que ça fait tout. Jogging blanc comme ça, hyper épais pour pas que ce soit transparent. Et vous voyez c'est resserré ici mais un petit peu moins large que le précédent jogging. Donc voilà, toujours il a des poches aussi. Tout le haut de l'ensemble il est comme ça, donc ça il n'y a pas de zip mais c'est un gros pull large comme ça sans capuche avec les mêmes écritures. J'ai pris un autre jogging cette fois mais pas en ensemble, genre juste un jogging blanc que j'ai pris en taille M. Donc c'est un jogging blanc mais avec écrit, je sais pas ce qu'il est écrit, écrit baby girl. Ensuite j'ai pris une robe, en fait sur le site elle était tellement belle sur la meuf, moi elle me va un petit peu moins.
même si elle est taillée à ma taille. Une robe comme ça à sequins, à porter aux events. Je me suis dit si jamais j'ai un event et tout, je sais pas comment m'habiller, bah je mettrai ça. Et du coup ça c'est beaucoup premium. Voilà, donc il y a un grand zip derrière. Elle est facile à mettre mais du coup il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous l'attache parce que moi j'avais galéré à l'attacher. Je l'ai prise en taille 34 et je la trouve quand même un petit peu grande. Je la trouve un peu grande, ouais. Bon, un autre jogging, parce qu'en fait les joggings sur Boohoo ils sont trop bien. C'est un jogging noir comme ça, un petit peu délavé, gris, avec bah, ce motif là sur le côté. Et pareil, bah, faut resserrer aux jambes. Celui-là il est hyper grand par contre, j'ai pris une taille S, mais il est énorme. Genre, même si un jogging c'est grand, je trouve que ça peut quand même faire un style. J'ai pris deux chemises comme ça en satin, du coup une noire et une blanche. Bah voilà, c'est des chemises en satin hyper simples, mais ça fait hyper habillé, même avec juste un jean ça peut faire hyper beau. Ou alors en tant que robe, comme ça pareil avec des cuissardes ou je sais pas. Du coup j'en ai pris une en taille 36 et l'autre en taille 38. Voilà, et je préfère la taille 36 personnellement. Donc ensuite j'ai pris un body comme ça, donc en débardeur hyper simple, matière fluide comme ça, je sais pas comment t'appelles. Du coup voilà, donc le body qui s'attache en bas comme ça. Et ben voilà, il est hyper simple à porter avec n'importe quoi et ça va avec tout ce genre de truc. Que ce soit un jogging ou même un jean ou même une jupe. Les trucs. Ensuite j'ai pris un corset comme ça, donc qui est resserré ici, décolleté au milieu. Ça j'ai pris une taille 36 et je le trouve trop beau. Ça pareil, hein, même avec que un jean, ouais, ou alors avec un pantalon comme je vous ai montré. Au début comme ça, derrière il y a une petite fermeture comme ça. J'ai pris un jean, enfin j'ai pris deux jeans, donc je vous montrerai l'autre après. C'est un jean comme ça avec deux couleurs, donc je voulais trop un jean comme ça avec deux couleurs comme ça sur les jambes. Je trouve ça grave original, du coup il y a un côté qui est plus foncé que l'autre. Voilà, derrière pareil, les poches qui sont inversées. Un pantalon comme ça, un peu large tu vois. Il est taille haute, c'est une taille 34. Du coup le deuxième jean, pareil, hein, la même coupe. Donc maintenant je porte que des coupes larges un peu comme ça. Il est bleu et devant il a une petite matière hyper douce, marron comme ça. Et lui il est taille haute et j'ai pris une taille 36 par contre celui-là. Et les deux me vont bizarrement. Ensuite j'ai pris un haut body, non un body. Donc comme ça, qui est épaule nue comme ça. Et vous avez un petit trou comme ça au-dessus de la poitrine. Ça j'ai pris une taille 36, un petit peu transparent. Comme ça, mais si vous mettez un petit bandeau ou quoi à l'intérieur, ça se verra pas du tout. Et même je pense que porter ça se voit pas. Du coup voilà un petit truc simple. Ensuite j'ai pris en taille 36, donc un autre body. Ça c'est un body débardeur comme ça, sauf que là il y a un petit trou comme ça pour laisser passer le bras. Donc voilà, vous allez voir ça aussi porter. Et voilà, bah, le body pareil qui a les boutons. C'est tout pour le haul, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à m'écrire un petit commentaire et me suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que la vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!